Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché pour le lundi 21 mai 2018. Alors, avant de débuter notre analyse hebdomadaire, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en bas à droite de la vidéo et c'est parti. Alors, on va parler aujourd'hui du DAX 30, du NZD USD et du GBP USD. Là, sous les yeux, vous avez un graphique hebdomadaire du DAX 30, donc avec les principales zones hebdomadaires que je trace. Et on va aller voir ça du coup en daily ensuite. Mais là, déjà en hebdomadaire, on voit qu'on a eu une forte impulsion haussière pendant plusieurs semaines, qu'on a eu aucune bougie rouge pendant assez longtemps. Et je pense que les bougies rouges en hebdomadaire vont probablement faire leur retour dans un avenir assez proche. Car on arrive en haut de range mensuel, on arrive vers les plus hauts historiques, vers les 13 600-500 points, et je crois que pour la semaine prochaine, on peut tracer un niveau qui nous sera très utile. Ce niveau, c'est celui-ci. Voilà, et on peut le matérialiser par une zone comme ceci. Voilà, et ça sera un seuil tactique intéressant si ce seuil doit être atteint et travaillé au cours de la semaine prochaine. On va aller voir ça ensuite sur un graphique horaire, mais déjà on voit que voilà les 13 150, 13 200 points seront une zone intéressante à travailler à la baisse. Alors vous voyez mon tracé de la semaine dernière où j'indiquais qu'on pourrait vraisemblablement tenter des shorts ici vers la BB supérieure qui allait se rapprocher. On voit que la BB supérieure s'est effectivement rapprochée et qu'il y avait un short du coup à réaliser vers ce niveau-là. Donc le plan a plutôt fonctionné la semaine dernière sur le DAX 30. Je vais prolonger ma zone. Voilà, sur laquelle on a réalisé un pullback au cours de la semaine dernière. Et là, alors je vais peut-être la déplacer. Voilà, comme ceci. Alors, on a réalisé un pullback assez propre sur les 13 050 points au cours de la semaine dernière. En ce qui concerne la semaine prochaine, je pense qu'on va pouvoir retourner voir au moins les 13 120 points en début de semaine prochaine. Ça peut être éventuellement un objectif haussier à très court terme. Mais je crois que ce seront surtout des shorts qu'il faudra tenter au cours de la semaine prochaine. Là, vous voyez sur un graphique horaire que finalement, je vais avoir un petit peu la même analyse. C'est-à-dire qu'on a la bande de Bollinger supérieure qui va venir ici sur ma zone. Et il s'agira vraisemblablement d'une zone assez intéressante pour entrer short. Voilà, pour la semaine prochaine, vous avez donc mes principales zones sur le DAX 30 que l'on pourra travailler. On voit actuellement, voilà, qu'on est posé sur la moyenne mobile 50, que la moyenne mobile horaire à 20 périodes s'est inversée, qu'elle devient rouge. Donc c'est un signe, voilà, plutôt encourageant concernant une éventuelle baisse du DAX 30 pour la semaine prochaine. Et on a le seuil, voilà, tactique horaire sur lequel on pourra chercher à intervenir à la baisse. Sachant qu'en début de semaine, il est probable que l'on ait une petite impulsion haussière. Lundi matin, c'est possible. Et donc en scalping ou intraday très agressif, on pourra éventuellement faire quelques achats. Mais les vrais trades intraday devront être short et on devra rechercher de façon privilégiée des shorts pour la semaine prochaine. On va ensuite parler du NZD USD. Donc moi je suis en position sur cette paire et j'avais partagé ce trade avec vous au cours de la semaine dernière et j'assurerai sur les réseaux sociaux le suivi de cette position que je vous avais donnée. Donc on va cadrer en hebdomadaire comme d'habitude notre actif.
Voici pour le haut de range hebdomadaire. Et concernant le bas de range hebdomadaire, on peut tracer quelque chose comme ça. Voici. On va mettre ça en vert. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a eu une assez belle réaction sur le support hebdomadaire. Par contre, il faut faire attention au fait que les bandes de Bollinger hebdomadaires commencent à s'ouvrir, mais ça n'est pas très important dans la mesure où là, on n'est quand même pas en tendance, on est dans le cadre d'un range. Donc que les bandes de Bollinger s'ouvrent, ça n'est pas très gênant à mon sens. Si on va voir en journalier, bon, j'ai fait quelque chose que je ne fais habituellement jamais, à savoir que j'ai pris le short ici vers le bas de la bougie rouge. Acheter une bougie rouge, généralement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, parce que déjà, j'avais une analyse Ichimoku en daily qui m'avait encouragé à entrer. Et puis, on a eu quand même une baisse ici qui a été très violente, où il n'y a eu aucun retracement, absolument aucun retracement. Donc, voilà, la tendance baissière ne va pas non plus transpercer ce support hebdomadaire comme du beurre, dans la mesure où cette tendance était déjà relativement vieille. Au cours de la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on aille chercher au moins la moyenne mobile à 20 périodes pour pouvoir éventuellement prendre voilà, des bénéfices qui déjà seront relativement conséquents. Et si vous souhaitez entrer sur cette paire, eh bien, il suffit de mettre un stop loss vers les, je ne sais pas, les 0, 67,90 par exemple. Voilà, c'est-à-dire en dessous de cette zone de support hebdomadaire. Et c'est un trade, voilà, qui a de fortes probabilités de réussite, puisque l'on intervient sur des niveaux clés à moyen terme, et c'est ce qu'il faut faire sur Forex. On va maintenant, donc voilà, plan haussier sur le NZD/USD, on va aller chercher au moins la moyenne mobile 20 périodes, 20 jours en daily. Et puis ensuite, si on regarde en 4 heures à quoi ça peut ressembler, est-ce qu'on a une compression éventuellement qui se met en place? Non, on remarque que on va commencer à travailler la moyenne mobile 50 périodes en 4 heures, qui, dans le cadre de cette tendance baissière 4 heures, a été pertinente. D'accord? Donc ça, c'est important de vérifier la pertinence d'une moyenne mobile lors d'une tendance. Vous voyez qu'on l'a testé ici. Voilà, en différents points, et qu'à chaque fois le prix a reflué, ce qui m'encourage à penser que ici elle a tenu également, ici aussi. Donc là, cela m'encourage à penser que on arrive vers une zone un petit peu décisive. Soit on va la franchir et s'engager dans une tendance haussière à court terme, soit on va vraisemblablement retester ses plus bas ici. Donc moi je suis entré voilà, sur cette zone en fait. Donc soit on va retourner vers mon point d'entrée. Je ne suis pas à break-even parce que si ça rejoint ce niveau-là, il y a de très fortes chances que l'on rebondisse à nouveau sur cette paire. Donc ça sera pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur ce trade, un excellent niveau d'entrée. Je vous donne le niveau grosso modo, c'est au-dessus des 0,68500. 0,6850 jusqu'au 0,6870. Ça sera voilà une zone optimale pour entrer pour ceux qui ne sont pas encore en position. Et autrement, voilà, faudra juste attendre un retracement pour vous positionner éventuellement. Maintenant, on va aller regarder le GBP/USD qui voilà a fortement, très fortement baissé lorsqu'il est revenu sur cette résistance hebdomadaire, et il a formé, vous le voyez ici, un double top, et il a ensuite, pendant 3 semaines, baissé énormément, et actuellement, on remarque un ralentissement de cette tendance baissière, et ce que l'on voit, c'est tout simplement que ce ralentissement de la tendance baissière coïncide avec D'accord, la bande de Bollinger inférieure et la MM 50 hebdomadaire. Donc c'est un support dynamique
et on va pouvoir travailler cette zone à l'achat. Tout simplement, là, c'est comme sur le DAX 30, c'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est que cette moyenne mobile inférieure remonte et qu'on puisse prendre un achat dessus. Idéalement, voilà, on achèterait vers les 1,34 le GBP/USD. C'est un plan qui me plaît bien. Voici. Et le niveau que l'on viserait serait un niveau à court terme, parce que bien évidemment que la tendance journalière est très fortement baissière. Donc ce que l'on viserait, ça serait pourquoi pas le niveau des 1,37, 1,38. Ça, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière déjà. Voilà, puisque ça correspond à ce support journalier ici. Voici la zone qui peut nous servir d'objectif sur le GBP/USD à l'achat. Voilà, j'espère que les trois plans sont clairs pour tout le monde. Je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle semaine de trading. Je vous dis à très bientôt. Ciao!